Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet du Mali. Nous allons maintenant au Niger. Le CNSP veut réviser tous les accords militaires avec les pays disposant de bases militaires dans le pays. Ils ont annoncé cette intention de revisiter tous les accords militaires après le départ des troupes françaises. Les autorités nigériennes, celles qui ont pris le pouvoir depuis le 26 juillet dernier, ont informé les pays disposant de bases militaires sur leur sol. Il s'agit de l'Allemagne, des États-Unis et de l'Italie. C'est les trois là qui restent pour le moment. Qu'ils vont négocier, ils vont renégocier les accords militaires qui lient le Niger à ces pays afin que les accords soient, disons, gagnant-gagnant pour tout le monde, selon que les accords soient maintenant signés selon les nouvelles exigences des populations nigériennes. C'est ce qu'ils ont notifié plutôt aux représentants de ces pays sur leur sol. Je dis qu'il s'agit effectivement des États-Unis, de l'Allemagne et de l'Italie. Et donc, on s'achemine lentement vers la renégociation des accords militaires entre le Niger, les États-Unis, entre le Niger et l'Allemagne, entre le Niger et l'Italie, Firmin. Oui, je partage un peu ce que cette décision des autorités nigériennes, parce que le gros problème qui se pose en Afrique aujourd'hui, c'est la renégociation des contrats. Il y a des contrats qui ont été conclus et dont les Africains même n'en connaissent pas la teneur, le fond, les clauses. Il y a des chefs d'État qui sont venus au pouvoir dans certains États, dans certains pays. Ils ont des contrats dont ils ne maîtrisent même pas la clause. Mais vous ne pouvez pas parler. Parce que vous parlez, vous avez affaire aux Occidentaux qui vous soutiennent. Et tout le problème se situe au niveau de la renégociation des contrats qui nous lient à l'Occident. C'est tout le problème. Le jour où on arrivera à régler ça, mais je pense que les choses vont changer. Mais ce que je déplore, c'est que nous n'y mettons pas de la méthode. Si on arrive à mettre de la méthode, je pense que les Occidentaux, ils n'y feront rien. On va leur dire, messieurs, vous avez fait ceci pendant un certain nombre d'années. Mais aujourd'hui, c'est gagnant-gagnant ou rien. Mais si vous allez nous voler, peut-être 51%, 49%, parce que peut-être vous avez la technologie, vous avez aujourd'hui ce que vous appelez l'intelligence artificielle, vous avez le numérique, vous avez tout. Mais aujourd'hui, on renégocie tous les contrats. Si on arrive à faire ça, mais je pense que les Africains vont bien se porter. Mais on n'arrive pas à faire ça. Même ce que les autorités nigériennes sont en train de faire, moi j'applaudis des deux mains. Mais est-ce que ça pourrait aller loin? C'est la question que je me pose. Là, la renégociation des accords. Oui, oui. Que craignez-vous en cela? Pourquoi ça ne devait pas aller loin? C'est une bonne chose aujourd'hui. Vous savez, les États-Unis sont arrivés avec plus de 1100 personnes. Les Américains sont là, la force militaire américaine est là, avec plus de 1100 personnes. L'Allemagne, c'est plus de 100 personnes, 110 personnes. L'Italie, 300 personnes. Et ces forces-là, aujourd'hui, elles profitent. Non, c'est-à-dire les autorités maliennes, nigériennes, le pouvoir malien ou l'État nigérien profitent substantiellement de cet accord-là. Parce, en termes de formation, en termes de ressources financières, en termes de ressources humaines, en termes de technicité. Ils en profitent. Maintenant, quels sont les accords? Quelles sont les clauses qui ont été mises en place et qui permettent tout ça? C'est ça le problème fondamental. N'oubliez pas, ce qui les amène aujourd'hui à dénoncer ces accords, c'est qu'il y avait une certaine opacité qui entourait ces accords-là. Vous découvrez un accord, même vous ne savez pas pourquoi. La raison fondamentale pour laquelle on a signé cet accord. Et quel est l'objectif de cet accord? Ceux-là qui disaient, Bazoum, tout ça, nous ne comprenaient pratiquement rien parce qu'ils étaient là pour leur pouvoir. Et aujourd'hui, si vous acceptez, si vous voulez renégocier, les Occidentaux vont dire, ok, nous sommes là, nous vous assurons ceci. Parce que les États-Unis, par exemple, déboursent 30 millions de dollars par an sur le territoire nigérien. 30 millions de dollars par an. Ça profite à qui? C'est sur le territoire nigérien que cela est déboursé. Les Nigériens aussi en profitent. Mais si on renégocie ces contrats et que les États-Unis, les Allemands, les Italiens se retrouvent aujourd'hui en position de force, vous savez ce qui va se passer? Mais peut-être la renégociation ne va pas trop aider le pouvoir du Niger. Parce qu'ils ne sont pas en position de force. Ceux qui sont en position de force, c'est qui? C'est la force militaire internationale. Alors, ce que je demande, mais c'est que le pouvoir nigérien, que moi j'apprécie au-delà de tout,
dans cette aventure. Vous savez pourquoi j'apprécie le pouvoir nigérien? Je ne suis pas de ceux qui adoubent les coups d'État. Je ne suis pas de ceux qui soutiennent les coups d'État. Mais le jour où la CDAO a dit, moi je vais intervenir militairement, mais j'ai dit ça, c'est de la pagaille. C'est de la pagaille. Moi je ne peux jamais soutenir qu'une commission ou qu'une instance, une communauté se dise, on va aller attaquer un pays que nous sommes censés protéger. On nous allons dire, les d'autres pays vont aller attaquer leur pays frère et ami. Ce pays qui les nourrit aussi, ce pays qui leur apporte du bon vivre. C'est à partir de ce moment que moi je me suis dit non, il faut soutenir le pouvoir nigérien pour dire ce qui s'est passé en Libye. Non, jamais permettre à ce que cela se reproduise. Parce que nous voyons cela a commencé en 2010-2011. Et voilà les conséquences. Alors pour ce que moi je demande au pouvoir nigérien, c'est simple. Lisez bien cet accord, mais sachez que vous n'êtes pas trop en position de force. Vous n'êtes pas trop en position, parce que quand vous n'êtes pas trop en position de force, mais vous analysez. Ils sont sur leur territoire, ils ont la manette aujourd'hui. Pourquoi dites-vous qu'ils sont en position de force? Ils n'ont pas la technicité, ils ont besoin, parce que l'armée nigérienne a besoin de moyens. L'armée nigérienne a besoin d'argent. L'armée nigérienne a besoin de formation. L'armée nigérienne a besoin de technologie. Les Américains viennent avec une certaine technologie. Les Allemands viennent avec une certaine technologie. Les Italiens viennent avec une certaine technologie. Alors, dans les négociations, les Occidentaux vont dire, ok, nous, c'est ce que nous vous proposons, si vous acceptez ça. Mais ça dit, qu'ils soient, ces autorités nigériens, qu'ils soient clairvoyants et qu'ils soient lucides dans cet accord-là, qu'ils disent, même si nous sommes en position de faiblesse, c'est notre territoire. On doit ceci, on doit faire ceci, on doit faire cela, que tout le monde en sorte gagnant. Merci beaucoup à vous, Firmin Teko Agbo. Je rappelle que nous avons été rejoints en studio par Dieudonné Séonou, journaliste et directeur général d'Elior Service. Merci de nous avoir rejoints, Dieudonné. Mais bien avant de venir à vous pour votre réaction sur le sujet, je vais d'abord interroger à vous, Justin Anani. Les militaires au pouvoir au Niger voudraient renégocier tous les accords militaires avec les pays disposant de bases militaires au Niger. Ben, moi, je pense que c'est une très bonne chose. Le ciel s'éclaircit parce que quand vous interrogez l'histoire, on vous dira que la plupart de ces accords-là datent de temps coloniaux. Et donc, sur cette base-là, je pense que telle que les choses, la situation évolue aujourd'hui, et avec la question même de la souveraineté, avec la question même de la redéfinition même de la politique au plan national et international, il va falloir également que tous ces accords-là, non seulement les accords militaires, parce que j'ai eu avant également que pour ce qui concerne l'accord ou la signature de contrat avec la société Areva, tout serait également redéfini. Ça voudrait dire que ce n'est pas seulement dans le domaine militaire. Mais comme Fifilmé a eu à le dire, il va falloir également être très vigilant avec tout ce qui, parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, le Niger a besoin également forcément de l'Occident. Et des bases qui sont là, en dehors du départ même de la France qu'on a vivement doigté. Donc l'Allemagne est toujours présente dans ce pays, les États-Unis sont là. Et en dehors de ces États-là, il y a encore d'autres qui manifestent leur volonté. Maintenant, comment aider le Niger à sortir de sa situation actuelle, notamment lorsqu'il était question maintenant de mener la lutte contre des groupes terroristes qui sévissent dans ce pays? Comment faire en sorte que l'armée, comme on l'appelle, du Niger soit quand même tellement avertie vis-à-vis de ces terroristes-là, de ces agressions-là? Je pense que tout doit être quand même défini. Qu'est-ce que le Niger gagne dans la signature de ces accords-là? Qu'est-ce que les États européens ou les États américains gagnent également au niveau de ces accords-là? Je pense que c'est une question qu'on doit véritablement redistribuer et faire en sorte que ça doit être un accord gagnant-gagnant. Parce que la plupart du temps, lorsqu'un accord est signé, c'est l'Occident qui tire du profit. On envoie des émissaires, on envoie des spécialistes, on envoie les experts vous former, mais en retour, voilà ce que vous allez donner. Donc sans pourtant également analyser les contours, et finalement, bon, on signe les accords, mais finalement ça profite plus à l'Occident que le pays d'accueil. Donc c'est là où moi je dis qu'aujourd'hui, c'est une très bonne chose, et que progressivement, le Niger est en train de poser des jalons, surtout qu'il s'inscrit. Le Niger s'inscrit aujourd'hui dans la logique, dans ce groupe de Sahel qui se crée, avec l'utilisation de la monnaie commune qui est déjà définie et dont on attend peut-être
le jour. Donc, avec tous ces éléments-là, je pense que c'est parti pour sur de nouvelles bases. On verra ce que ça va donner dans les jours à venir. Alors, Dieudonné Sewonu, avant de voir ce que ça va donner dans les jours à venir, dans le concret, que dites-vous de cette décision des autorités nigériennes qui décident de revisiter tous les accords militaires avec les pays disposant de bases militaires sur leur sol? Bon, écoutez, docteur, vous connaissez très bien ma position par rapport à cet état de choses. Il n'appartiendra plus, comment dire, pas seulement au Niger de revisiter des accords militaires qu'il a avec les États ou alors ces pays qui ont des bases sur son territoire. Moi, je dirais qu'il appartient à tous les pays africains de revisiter, de reviser d'ailleurs des accords qui les lient aux pays occidentaux présents sur les différents territoires. Et donc, c'est tout à fait normal. L'accord signé il y a de cela des lurettes, il est temps maintenant à ce que les choses évoluent et qu'on voit beaucoup plus clair dans les lignes et voit les parties gagnantes de l'État qui entre en accord avec nous. Parce que quoi qu'on dise, contrairement à ce que Firmin disait tantôt, que l'État nigérien n'est pas en position de force, je suis désolé peut-être de vous dire que l'État nigérien est véritablement en position de force. Voilà pourquoi il demande à revisiter ces accords militaires. Il lui appartient d'accepter ce qu'on lui propose ou de refuser ce qu'on lui propose. La preuve, il s'est débarrassé d'une base tout récemment. C'est parce qu'il est en position de force qu'il a demandé à ce que cette base-là quand même quitte son territoire et la base vous est partie. De des Français qui occupaient le... Bon, de toutes les façons. Donc, c'est clair que l'État qui entre dans un accord avec un pays étranger, naturellement, est en position de force et est en droit de demander des véritables clauses qui le lient au pays contractant. Et c'est cela, moi j'en appelais la dernière fois aux élites africaines, d'avoir l'intérêt supérieur de leur pays en entrant dans certains accords, que ce soit des accords commerciaux ou militaires, politiques, que l'intérêt supérieur des pays africains soit au cœur de tous ces accords-là. Pendant que l'intérêt des pays est au cœur des accords, je pense que ces accords ne seront plus interprétés par après de façon sanguinaire et aussi continuer par piller naturellement les pays africains. Ça va être beaucoup plus un accord ou alors des contrats gagnant-gagnant, comme le disait tantôt Justin. Donc, c'est de bonne guerre, c'est tout à fait normal à ce que le Niger accepte ou alors décide d'aller revisiter. Je pense que revisiter ou alors reviser ces accords, selon les nouvelles autorités nigériennes, ne s'arrêterait pas juste à relire les articles de ces accords-là. Mm-hmm. Mais c'est parce qu'ils ont déjà identifié... À les changer, ils vont envoyer un protocole ou un projet... Naturellement, ils ont aussi leurs propositions à faire. Mm-hmm. Si vous êtes d'accord sur cette discussion, alors on y va. Vous n'êtes pas d'accord, comprenez quand même que cet accord-là ne nous lie pas. C'est maintenant l'État, la position de force dont disposent les pays africains à reviser, à revisiter et à faire de bonnes propositions hyper sensées. C'est vrai, les États africains ont besoin des appuis aujourd'hui en matière de la technologie et aussi la finance dont vous parliez tantôt. Oui, c'est évident, mais ne soyez pas surpris que c'est la mauvaise interprétation et la mauvaise application de ces accords qui mettent ou alors qui repositionnent toujours les pays africains dans l'état de pauvreté, de mendicité. Alors si les accords sont bien vus, bien revisités, je pense que les États africains reprendront leur place et vont pouvoir aussi s'affirmer en tant qu'État. Affirmer. Non, vous savez, Justin Anani disait quelque chose tout à l'heure, c'est-à-dire on se demande pourquoi ces États occidentaux cherchent à installer des bases militaires en Afrique. C'est la question qu'on doit se poser. Moment, par exemple, le Niger peut dire je me débarrasse de la force militaire américaine, je me débarrasse de la force militaire allemande, je me débarrasse de la force militaire italienne. C'était presque arrivé si. Oui. Est-ce que ces forces-là pourront supporter cela? S'ils peuvent supporter cela et qu'il n'y ait pas de représailles après, dont on dirait qu'en réalité, il n'y a aucun intérêt dedans. Mais je ne pense pas que ces forces-là puissent supporter. Pourquoi? Parce qu'en réalité, avec ces bases militaires, les Occidentaux définissent et redéfinissent la carte du monde. Lorsqu'elles viennent s'installer quelque part, elles analysent ou elles font de la géologie en quelque sorte. Elles font des prospections géologiques pour voir quelles sont les ressources dont disposent ces États-là, ces sols africains-là, de tel kilomètre à tel kilomètre. Et ça, c'est au profit de qui?
Mais vous voulez que ça soit au profit des Africains? Donc, si les Africains refusent, ils sont en droit de le refuser. Non, moi, je suis d'accord avec. Moi, je suis d'accord. Vous êtes d'accord que ces pays sont en position de force de demander à renégocier les accords? Oui, moi, je suis d'accord. Que le Niger. Mais le Niger n'était pas en position non, de force. Non, quand je dis par exemple, le Niger n'est pas en position de force, c'est par rapport à un certain nombre de domaines. En termes de formation, les États-Unis vont dire ok, on va vous former. En termes de technologie, il y a des matériels que nous pourrons vous vendre. Mais si nous allons vous vendre cela, ou nous allons vous les offrir, voilà aussi nos conditions. C'est là leur petite faiblesse. Il ne faut pas, négliger ça. C'est pour ça que je vous demande aux autorités nigériennes d'être beaucoup plus lucides et de savoir lire. Lire en droit, vous savez, quand vous venez en droit, la première chose qu'on demande aux étudiants, savoir lire l'arrêt. On dit lecture simple, non. Parce qu'on dit une simple virgule, un simple guillemet peut vous détruire. Donc il faut qu'ils arrivent à lire avec une certaine minutie. Alors que quand cette base militaire vient s'installer, c'est pour définir, c'est pour déstabiliser aussi les régimes. C'est pour déstabiliser aussi les régimes que nous n'oublions pas. Nous ne les oublions pas. Donc pour dire que les autorités nigériennes doivent savoir qu'elles sont venues par coup de force et que ces occidentaux-là sont en train de les osciller et de les suivre. Vous savez ce qu'on appelle oscillographe. On est en train de les suivre avec minutie pour voir sur ceux-là où est-ce qu'ils sont en train d'aller, quelles sont leurs ambitions, qu'est-ce qu'ils ont par rapport à l'évolution du monde. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place des stratégies pour les détruire après? Donc c'est pour cela que les autorités nigériennes doivent savoir que ce n'est pas sur un champ où on va venir se régaler, ce sourire, c'est un son dangereux, alors qu'il s'applique et qu'il soit beaucoup plus sérieux. Merci. Justin, vous l'achetez. Oui, Dieudonné posait la problématique tout à l'heure. Mais quand on analyse la situation, les faits, on se rendrait compte que lorsqu'on parle des bases militaires dans les pays africains, l'observation est faite. C'est dans les pays francophones pour la plupart du temps. Ça voudrait dire que la question ou le questionnement même de la souveraineté pose problème. Ça dit que les États français, pour la plupart du temps, n'ont pas eu réellement les indépendances dans les années 60. Et on vous donne une portion, peut-être, de liberté ou de pouvoir, le reste est contrôlé par l'Occident. Et c'est là où, lorsque ces bases-là sont chez vous, donc, ils ont l'obligation maintenant de contrôler vos actions. Les services de renseignement généraux, la plupart du temps, sont dans les mers de l'Occident. Et quand vous prenez les pays dans l'espace francophone, c'est la France. Donc, tout ça a évolué dans le temps et dans l'espace. Aujourd'hui, s'il est question même de redéfinir ces accords, notamment les accords militaires ou les accords commerciaux, ainsi de suite, politiques, je pense que la question est d'interroger encore ces pays où les dirigeants ne sont pas véritablement élus par le peuple. Parce qu'il y a des États où c'est l'Occident qui impose, dans certains pays où les gens font 4e mandat, 5e mandat, 3e mandat, ainsi de suite, qui ne respectent en rien l'esprit et la lettre des textes fondamentaux, notamment les constitutions de ces pays-là. Je pense que le problème est là, la problématique elle est là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est parce que le Niger est en transition. Si c'est au temps de Bazoum, le problème ne se poserait pas de redéfinir les accords. C'est parce que Bazoum n'est pas là, et il y a une transition qui suit son cours, et il y a un discours qui est servi, la population est adoubée par le discours. Maintenant, il est question maintenant de redéfinir les accords, tous les accords dans toutes leurs dimensions. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons consacrer, bien évidemment, au Togo.